Hey, mes petits sorciers, mes petites sorcières, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des différents types de magie en fait qui ont pu inspirer la saga Harry Potter, saga que nous chérissons tous. Enfin, en tout cas, si vous êtes sur ma chaîne, à mon avis, c'est que vous kiffez la saga. Étant Potterhead, voilà, non, ça se voit pas du tout, du tout. Bon, bref. J.K. Rowling s'est inspirée à la fois d'astrologie, comme vous avez pu le voir dans une de mes vidéos, énormément de mythologie et on va dire de véritable sorcellerie, ou tout du moins des connaissances qu'on a à peu près sur la magie. On va dire ça comme ça. Alors, petit point culture et historique. Savez-vous depuis quand la magie existe? Non? Vous donnez votre langue au chat? Eh bien, comment dire? C'est très compliqué pour l'estimer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on estime qu'elle existe depuis presque toujours, en fait, voire toujours. Donc bien avant l'Antiquité ou autre. D'ailleurs, les sorciers, les sorcières que nous connaissons sous le nom de druides, voyantes, enfin, pitis, tout ça, en fait, elles étaient, enfin, ils étaient où? Elles étaient consultées généralement pour soigner, soit savoir l'avenir ou autre. Donc en fait, ça existe vraiment depuis très 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 longtemps. Voilà. Et comme j'ai dit, il y a plusieurs types de magie. Alors, il y en a vraiment énormément, mais on va dire il y a à peu près trois branches, ou en tout cas principales. Voilà, où on peut les regrouper plus ou moins. Et qui ont forcément inspiré la saga Harry Potter, puisqu'on parle de sorciers, de sorcières, de magie, voilà, de créatures fantastiques. Tout ceci, voilà. Je pense que le premier type de magie, peut-être le plus connu à travers Harry Potter, mais pas qu'Harry Potter, c'est ce qu'on appelle la magie noire. Voilà, alors pourquoi elle est connue? Parce qu'elle est négative en fait. Voilà. Vous savez, les gens. Enfin, on a tendance à retenir souvent le négatif d'une chose. Et c'est exactement pareil avec la magie. Donc, voilà, c'est vraiment une magie qui a réellement inspiré Harry Potter, notamment avec Lord Voldemort. On t'aime. Je t'aime, voilà. Mais également avec plein d'autres magiciens. Sombre, Grindelwald ou autre. Il y a même voilà des bouquins Harry Potter qui sont carrément dédiés plus ou moins à la magie noire, voilà, les forces du mal. On ne peut pas être plus clair que ça, hein. Je pense que c'est compliqué d'être plus clair. Et on retrouve notamment ce type de magie noire justement avec les trois sorts impardonnables. Voilà, vraiment. Alors, la magie noire, comment je pourrais la résumer? Parce qu'il y a énormément de définitions que je trouve malheureusement souvent faussées quand on fait des recherches. Donc, je vais vous faire ma définition, mais vous avez le droit d'avoir une autre définition. Mais j'essaie d'avoir une définition la plus claire, la plus objective possible. On qualifie la magie noire, voilà. D'un type de magie en fait où on va lancer un maléfice à quelqu'un et du coup forcément généralement nos intentions elles sont mauvaises ou mal intentionnées dans le sens où en fait généralement la magie noire est énormément liée à la vengeance. Souvent. Pas toujours mais souvent. Mais ça peut être aussi également dans un objectif complètement personnel bah, gagner du pouvoir par exemple. Tom, hein, Voldemort. Hein. Voilà, ça en fait partie. Mais, à savoir, la magie noire, elle également, c'est peut-être la, oui, c'est la magie même, la plus dangereuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existe des règles en magie. Et, dont une règle, en fait, qui applique, en fait, en gros, on se reprend le sort trois fois, en triple. Quand enfin, le lanceur se reprend trois fois le sort,
qu'il a lancé. Donc en fait, c'est-à-dire que si il a jeté, par exemple, la misère sur quelqu'un, et ben en fait, c'est pas forcément la personne qui va la subir, mais lui-même. Ouais. Ah, bizarrement, là, d'un seul coup, la magie noire, c'est grave moins cool que dans Harry Potter. Parce que forcément, dans Harry Potter, en plus, la magie est romancée. La magie n'est pas comme ça, en vrai. Et cette règle qu'on appelle triple retour, voilà, on la retrouve plus ou moins justement la nuit où les parents d'Harry sont morts, où sa, quand sa mère l'a protégée en fait avec l'encensoir, voilà, de magie plus ou moins ancienne et blanche, je vais en revenir après. Quelque part en fait, le retour qu'a eu Voldemort en fait par rapport à son sort. Pour moi, c'est un peu lié à cette idée justement du triple sort. Le retour à l'envoyeur en fait. Voilà. Donc voilà, magie très 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 présente dans la saga. La deuxième, enfin, le deuxième type de magie qui est très très présent dans la saga et qui est très 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 connu également. Oui, j'ai une petite faille. C'est la magie blanche. Alors la magie blanche, on va dire, c'est la magie la plus bienfaitrice dans le sens où en fait c'est la moins personnelle, bien qu'en fait elle sert généralement à protéger, mais elle peut servir également à purifier, par exemple on peut purifier une maison ou autre, voilà. Bref, c'est vraiment pour protéger en général, voilà, et c'est pour faire le bien autour de soi. En fait, on n'a pas de, on veut pas blesser quelqu'un. Voilà. On veut protéger, au contraire. On peut retrouver également bah, justement ce type de magie blanche tout au long de la saga. Et le sort pour moi qui fait le plus écho à la magie blanche, justement, c'est les sorts de protection en fait. Genre Protego, ou le sort qu'a fait Lily, voilà, le soir où elle s'est fait assassiner. On va dire ça comme ça. C'est vraiment un type de magie très puissant et justement en fait elle contre la magie noire. Ce qui est logique puisque la magie noire en fait tu attaques, la magie blanche tu te défends. Plus ou moins en fait c'est ça l'idée. Le troisième type de magie qui est également très évoqué dans la saga Harry Potter et je dirais que c'est la troisième branche. Surtout, voilà, parce que après toutes les autres types de magie, pour moi, elles sont plus ou moins liées soit à la noire, soit à la blanche. C'est ce qu'on appelle la magie rouge. Pourquoi magie rouge? Alors déjà, je pense au niveau de la couleur et au niveau du enfin, la symbolisation de la passion, mais également parce qu'en fait, il y avait énormément de, comment dire, on utilisait pas mal de sang, de sacrifice aussi, voilà. Et son but, c'est vraiment le relationnel, on va dire. Aussi bien l'amour que l'amitié, on peut protéger aussi, hein, on peut vouloir protéger. Sauf qu'elle est beaucoup plus dangereuse, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu un type de magie qui est entre la blanche et la noire. Pourquoi entre la blanche et la noire? Parce qu'en fait, par rapport à la noire, on veut généralement en fait avoir un impact sur quelqu'un. Donc en fait, on force un peu le destin, l'univers en fait, à se rapprocher, enfin nous rapprocher de cette personne. Sauf que des fois ça ne devait pas être écrit comme ça. Donc en fait on a une certaine emprise sur cette personne. Donc c'est malsain. Mais en même temps on peut aussi la vouloir pour être protégée ou autre. Donc c'est une magie un peu ambiguë mais qui peut être aussi dangereuse quand on s'y prend très mal. Il y a deux différents types de magie rouge mais je pense que je ferai carrément une vidéo dessus parce qu'en fait c'est extrêmement complexe. Est connu, voilà, je pense pour la Saint-Valentin. Voilà, vous allez avoir Amortensia, filtre d'amour, tout ça, mes petits. Oui. Et comme j'ai dit, bah voilà, la plus grande preuve de magie rouge dans Harry Potter, c'est surtout les filtres d'amour. Bah par exemple, la naissance avec Tom Jedusor, ou même dans Le Prince de Sang-Mêlé, où on a beaucoup l'évocation justement d'Amortensia. Donc, voilà. Mais il existe également d'autres filtres d'amour. Et dans la magie rouge, c'est pas forcément des filtres, donc des potions, qui existent. On peut aussi jeter des sorts. Ce qui n'est pas forcément évoqué dans Harry Potter. Voilà. Après,
Continuons sur les autres types de magie. Alors là, ça va être plus relié à la magie blanche. Donc il y a la magie verte ou brune, voilà. Voilà, c'est la magie en gros de la terre. Voilà. De la terre, des plantes, en fait. Du coup, on pourrait relier ça au cours d'herbologie un peu qu'ils ont à Poudlard. Voilà, c'est de la magie verte. Et en fait, la magie verte est souvent liée à un autre type de magie qui est également liée en fait à un autre cours dans Harry Potter qui s'appelle la magie bleue. La magie bleue, en gros, c'est tout ce qui est rapport avec les cristaux, les liquides, donc potions. Donc voilà, on le voit même dans la Chambre des Secrets justement avec les mandragores qui vont être utilisés pour les potions. Voilà. C'est le lien avec ces types de magie qu'on peut retrouver dans Harry Potter. Après, c'est des magies qui sont beaucoup moins présentes, mais je vais les évoquer quand même. Voilà, parce que c'est plus en fait vraiment une idée là. Donc, il y a ce qu'on appelle la magie draconique. Donc, en fait, c'est la magie liée au dragon. Il n'y a pas forcément de magie liée au dragon dans Harry Potter. Mais on parle plusieurs fois des dragons et en fait pour moi ça symbolise vraiment le lien que peut avoir un sorcier, enfin un sorcier ou une sorcière en fait avec cet animal fantastique qui représente en fait les éléments. Bah, surtout le feu mais pas que le feu en fait, il y a plusieurs types de dragons. Et oui c'est la représentation en fait de la magie brute un peu. Justement... ce qu'on appelle un peu la magie élémentale, qui est en réalité très 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 rare. La magie élémentale, là. Oui. La magie élémentale, en fait, c'est le contrôle des éléments, et ça, c'est vraiment un type de magie que très peu de personnes peuvent faire. Je pense qu'après, il faut avoir des prédispositions déjà dès la naissance là-dessus. Et beaucoup d'expérience en fait, la sagesse. Après, on peut plus ou moins la symboliser par rapport notamment au combat entre Voldemort et Dumbledore. Voilà, plus ou moins, mais voilà, ils ont des baguettes, donc... dans l'Ordre du Phénix. Bon, bien que j'ai trouvé que c'était pas logique dans le film, mais ça va. Voilà, l'élément feu, eau, tout ça, voilà, on est dans les éléments, la magie pure, brute, voilà. J'espère vous avoir... Ah, non, je n'ai rien dit, je pensais avoir fini, mais non. J'ai oublié un important type de magie qui nous fait bien rire dans Le Prisonnier d'Azkaban. La divination, oui! Et c'est un type de magie en plus qui est ultra connu, qui est également relié à la magie blanche. Alors, la divination, c'est pas simplement lire des feuilles de thé comme on voit dans Harry Potter. Non, c'est beaucoup plus poussé que ça. Ça peut être lié justement à ce qu'on appelle les médiums. Donc, c'est la ouais, voyance, vision. Voilà. On peut prédire des songes, décrypter des rêves, tout ça. On peut tirer des cartes pour savoir son avenir. Il y a également le pendule qui existe, ou d'autres techniques en fait qui sont plus poussées que le pendule. C'est surtout pour savoir en fait connaître l'avenir, plus ou moins, ou faire résonner en fait une réponse qu'on sait déjà en nous, mais que on n'arrive pas à analyser tout seul. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai essayé de pas rester trop longtemps à expliquer, de vraiment expliquer avec le moins de détails possible pourquoi, parce que c'est vraiment très 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 long. Regardez, ma vidéo dure super longtemps. Donc, gros bisous, et j'espère que ça vous a plu, et je pense que je ferai des épisodes sur la magie noire, la magie blanche et la magie rouge.